Andy, non, je t'ai dit. Non, maman, non, non, ne me dis pas ça. Je ne veux pas entendre, s'il te plaît. Tu ferais mieux de m'écouter. Maman, je t'écoute pas, je t'écoute pas, non. Cette fille n'est pas pour toi. Je refuse catégoriquement et donc ce mariage n'aura pas lieu. Maman, je te l'ai dit. Je l'ai déjà dit, Linda n'est pas une bonne fille pour toi. Maman, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Pourquoi je ne peux pas lui dire quand même, maman. Je ne peux pas le dire, non, je refuse. Tu me manques de respect, maman. Non, mais Meg. Je t'ai dit. Meg. Permets à ce jeune homme de parler. Il n'est plus un bébé, tu sais. Exactement. Exactement, j'ai grandi. Toutes les filles que je t'ai amenées, tu les as toutes rejetées, sans exception. Bien évidemment, je t'avais obéi et je les ai toutes laissées partir. Quant à Linda, elle restera. Linda, c'est ma femme. Je te l'ai déjà dit. Tant que je suis en vie, ce mariage n'aura pas lieu. Maman, c'est déjà arrivé. Il faudra me passer sur le corps. Maman, ça a déjà eu lieu. Il n'aura jamais lieu. Il n'aura jamais lieu. Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu. Je suis non, ta maman, mère. Non, maman, ça suffit. Non, ça suffit. Silence. Ça suffit. Asseyez-vous. Joël, mon fils. Linda est une fille bien. J'aime Linda. Elle fait déjà partie de la famille. Et si c'est elle ton choix? Vas-y, fonce, et tu as tout mon soutien. Merci, papa. Davidson, tu prends le parti de ton fils contre moi? Chérie, je prends toujours ton parti en toutes choses, tout le temps. Mais écoute, dans ce genre de situation, un homme doit avoir la liberté de choisir sa femme. Voilà, merci. Merci, papa. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en vie. Merci. 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 Tu le remercies pour rien du tout. Remercie-le. Mais tant que je serai en vie... Ce mariage n'aura maman, pas lieu. Maman, ce mariage a déjà eu lieu. Ce mariage n'aura jamais déjà lieu. Ça a déjà eu lieu. Il n'aura jamais lieu. Rien. Rien ne pourra empêcher cela. Ça a déjà eu lieu. C'est déjà conclu. Attends voir. Maman, je te dis, c'est attends déjà voir. Effectif. Rien ne pourra empêcher il cela. C'est déjà effectif, lieu. Maman. Rien ne pourra m'empêcher de me marier avec Linda. D'accord, ça suffit. Ça suffit. Silence. Joël. Assieds-toi. Assieds-toi. Évêque, sur ce point, je vais te désobéir. Néanmoins, toi, Joël, il ne t'est pas permis de me désobéir. Si tu fais ça, tu me déshonorerais. Ah, mec, arrête d'être mélodramatique en utilisant tous ces chantages émotionnels. Exactement, exactement. Ah. Connaissant maman, elle va trouver un verset biblique dans les Écritures. Pour démontrer qu'elle a raison. Mais tu sais quoi, maman? Quel que soit le verset que tu vas trouver, ça va tomber dans l'oreille d'un sourd. Point final. Linda, c'est ma femme. Tu es en train de désobéir à Dieu. Car la Bible dit... Honore ton père, honore ta mère, afin que tu vives longtemps. Tu me déshonores en me désobéissant. Maman, la même Bible dit de ne pas pousser vos enfants dans la colère. Ah. Qui te met en colère? Tu sais bien qui c'est. Qui te met sûr, en colère? Bien sûr, on sait qui. On sait qui le fait. Je suis ta maman, mère. Maman, c'est vrai, tu es ma la mère, mais... La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit maman, suivre. Maman, s'il te plaît, arrête tout ça. Instruis te voilà qui est en train de te suivre. Te voilà, recommencer. Oui, te voilà, maman. Ce n'est pas normal ce que tu fais, maman. Depuis que je t'ai accouchée, tu ne m'as jamais répondu à cause de maman, ce n'est pas ça. Je ne me mets pas dans ce genre de situation. Tu me réponds déjà à cause d'une femme. Elle n'a rien à y voir. Assez, ça suffit. Silence, tous les deux. Joël, si tu décides de poursuivre ce mariage, je n'y assisterai pas. Tu m'entends? Je n'y assisterai pas. D'ailleurs, ce mariage n'aura pas lieu. Il n'aura pas maman, lieu. Ce mariage a déjà été approuvé dans le ciel. Tu oses il me répondre. Il a été approuvé dans le ciel. Ouais, tu ça a déjà été répondre. Approuvé dans le ciel. Tu oses me répondre. Tu ne peux pas me désobéir. Silence! Assieds-toi. Je dis, assieds-toi.
Nous allons résoudre tout ça à l'amiable. Chérie, quel est exactement ton problème avec Linda? Évêque, merci infiniment. Linda n'est pas de notre cercle. Elle n'est pas du tout de notre cercle. Joël peut épouser la fille d'un de nos amis. Dans le clergé, on a les diacres, les ministres ici et à l'étranger. Il peut choisir une femme respectable. À partir de ce cercle. Tu comprends ce que je dis? Maman, sérieux, tu t'entends vraiment parler? Non, sérieux, maman, tu t'entends parler? Papa, est-ce que tu écoutes ce qu'elle dit? Ok, ok. Maintenant, chérie, est-ce là la seule raison? Évêque, ce n'est pas la seule raison. Tu sais que Joël est notre seul enfant. En tant que tel, il doit épouser une femme qui a des racines. De bonnes racines. Je veux dire, une femme qui a... de bonnes racines traçables. Voilà ce que je dis. Maman, tu sais que je te connais très bien. Arrête de faire la politique. Cesse de tourner autour du pot. Dis-le. Ton unique raison, la raison qui te pousse à détester Linda, c'est parce qu'elle a grandi dans un orphelinat. Non. Non. Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Maman, où veux-tu vraiment venir? Vas-y, exprime-toi. Elle n'a personne. Elle n'a personne pour la rappeler à l'ordre si c'est nécessaire. Oh mon Dieu. Tu sais, les couples, ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin d'une famille. Une personne qui peut les rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire. Dans ce cas, Linda n'a personne. Elle n'a personne. Papa, tu écoutes ce qu'elle raconte? Meg, chérie, maintenant, sois très précise. Est-ce que c'est un crime pour Linda d'avoir grandi dans un orphelinat? Est-ce de sa faute? Exactement! C'est ce qu'elle dit! C'est ce qu'elle dit! Tu vas rester là et accepter ça? Papa, dis-moi, tu es prêt à accepter ça? Vas-tu vraiment accepter les raisons qu'elle donne? Joël, on en est arrivé là, n'est-ce pas? Je dis maintenant des bêtises. Dis-le que je raconte des bêtises devant ton père. Dis-le que je raconte des bêtises. On en est arrivé là. Oh, ok, ok. Dis-le. Ok, Meg. Meg, chérie, j'ai assez entendu. Ok? J'ai assez entendu. Maintenant, dis-moi. Tu connais Linda depuis qu'elle est toute petite. Nous l'avons pratiquement élevée. On lui a donné une éducation ainsi qu'un avenir. Elle a réussi à tout cela avec brio. Et ensuite, elle a décidé de travailler avec nous dans l'église, bien qu'elle ait eu l'opportunité de travailler partout dans le monde. Elle a accepté un travail dans la maison de Dieu, avec nous. Et ensuite, elle a évolué au point de devenir mon assistante personnelle. Ah ah! Chérie, comment est-ce que tu peux arriver à penser mal d'un tel enfant? Fiston, si c'est ton choix, Linda et toi avez tout de ma bénédiction. Merci, papa. Davidson! Davidson! Ah! Laisse-moi te dire ceci. En tant que ta mère, moi, Meg, ta mère, je ne vous donnerai jamais ma bénédiction à toi et à Linda. Jamais! Maman, ne t'en va pas. J'ai une nouvelle pour toi. La semaine dernière, Linda et moi sommes allés à la mairie. C'est-à-dire? Nous nous sommes déjà mariés. Quoi? Oh, ah! Mon Dieu. Ah! Davidson, c'est tout ce que tu as à dire? Oh, mon Dieu! Ah! Notre seul fils est marié sans qu'on ne soit au courant. Qu'est-ce qu'on dira à nos amis? Qu'est-ce qu'on dira à nos amis ministres? Que Joël s'est marié sans qu'on ne soit au courant? Mon Dieu!
Ah, tu dois faire quelque chose. Évêque, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce genre de choses? Mon seul fils? Ah. C'est quoi ce plan? Regardez ce que cette fille a fait à mon fils. Joël ne m'a jamais, au grand jamais, manqué de respect auparavant. 50 ans. Il ne m'a jamais déshonoré de cette façon. 50 ans. Ah, c'est une blague ou quoi? 50 Évêque. Ans. 50 ans de ministère sans scandale. Maintenant, ceci. Évêque, je te parle de ce que... de ce que cette fille est en train de faire à notre fils. Oui, chérie. Et tout ce à quoi tu penses, c'est la célébration de ton jubilé. Chérie, mon jubilé en or dans le ministère aura lieu dans 4 ans. Et surtout, je ne veux aucun scandale. Je ne veux exactement. Aucun scandale. Je ne veux aucun scandale. Exactement, évêque. Tu as de l'influence sur cette fille. Pousse-la à annuler cet acte honteux. Je ferai quelque chose. Bien. Je vais faire quelque chose. Oui. Mais... mais tu dois agir vite, avant que les autres ne le découvrent. Bien. Mais j'ai besoin que tu travailles avec moi sur ce coup. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Oui. J'aimerais que tu fasses ce que tu sais faire le mieux. Évêque, je suis très prête. Plus que prête. Tout ce que tu feras, je te soutiendrai. Bien. Nous avons un mariage à organiser. Quoi? Oh oui, un mariage à quel organiser. Quel mariage? Nous avons un mariage, mariage à organiser. Hein? De quel mariage est-ce que tu parles? Il n'aura jamais lieu de mon vivant, je te le dis. Écoute-moi, Sana. Évêque, ça n'arrivera jamais de mon vivant. Où est-ce que tu vas? Salut, bébé. Salut. C'est fini, n'est-ce pas? Bébé? Bébé, tu ne dis rien du tout. Mon amour, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler? Ça fait un bon bout maintenant que j'attends ton appel. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon amour, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Chérie... nous avons tous les deux convenu que tu annonces la nouvelle à tes parents, tu me passes un coup de fil et puis... je te rejoins chez vous et puis on reçoit leur bénédiction. Mais tu ne m'as pas appelé. J'ai attendu ton coup de fil, mais je te vois ici. Tu ne peux pas me dire que... tout va bien, mon amour. C'est clair qu'il y a quelque chose qui cloche. Allez, vas-y, dis-moi si c'est fini. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu entends par « c'est fini » ? Alors, dis-moi qu'est-ce qu'a dit ton père ? Le truc, c'est que j'ai dissuadé ma mère d'arrêter cela. C'est tout, et en plus... voilà la situation. Qu'en est-il de ton père? L'évêque. Est-ce qu'il est fâché contre moi? Oh mon Dieu, l'évêque est furieux contre moi. Il est en colère? Est-ce qu'il me hait? Non, voyons. Non, bébé, on n'aurait pas dû le faire. Je te l'avais dit, je te l'ai dit. On n'aurait pas dû le faire, c'est une erreur. On doit retourner à la mairie et... pour en faire doit... quoi? On pour doit faire juste... quoi? Ne tente pas de le dire. Que cela ne sorte pas de ta bouche. Ne le dis surtout pas. Non. Ok. Qu'est-ce que nous allons Linda, faire? Linda, relax, calme-toi, respire. Arrête. Qu'est-ce que nous allons faire? Vas-y, assieds-toi, calme-toi, bébé. C'est bon, calme-toi, bébé. Arrête, arrête. Arrête ça. Linda. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça va aller, fais-moi confiance. Qu'est-ce que nous allons faire? Arrête. Bébé, arrête ça. Arrête. Arrête. Bébé, c'est un véritable problème. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester mariés. On reste mariés.
Je t'aime. Et toi? Je t'aime, Linda. Je t'aime aussi, mais c'est juste que... Arrête, maintenant. Mais chérie... Mais rien. Tu vas affirmer ça. Tu es ma femme. Ok? La femme de Joël. Et tu vas le dire maintenant. Je suis Madame Linda Etom. Je suis Madame Linda Etom. Dis-le. Mais je viens de le dire, non? Dis-le encore. Je suis Madame Linda Etom. Tu es ma femme. Et personne ne pourra enlever ça. Personne. Bonsoir, maman. La femme mariée. Ne se fait-il pas très tard pour travailler? Maman, j'essaie juste de terminer les rapports hebdomadaires et... l'évêque n'est pas là. As-tu besoin de quelque chose? Ça, je le sais. Assieds-toi. Je suis venue parler avec toi. Assieds-toi. Il s'agit de ton histoire de Mary. J'espère que tu n'en as pas parlé à tes amis. Non, maman, on a gardé cela secret. Super. Garde ça comme ça. Pendant qu'on contrôle les dégâts. Dégâts? Je suis désolée, maman. S'il te plaît, de quoi est-ce que tu veux parler? Je t'assure que cette acte que mon fils et toi avez posée est vraiment terrible. Lève-toi. Lève-toi. Mon mari et moi avons ouvert un orphelinat pour enfants en même temps que nous avons ouvert l'église. En peu de temps, nous avons eu des enfants qui venaient à l'orphelinat. Et on a eu des parents qui venaient les adopter. Certains ont eu la chance d'être adoptés par des parents riches. Cependant, on avait ce groupe intéressant d'enfants qui sont arrivés à l'orphelinat. C'était des enfants abandonnés dans des toilettes publiques, dans des poubelles. Et Linda, tu étais l'un des enfants abandonnés dans la poubelle. Bizarrement, tous les enfants qui avaient été abandonnés dans des toilettes, des poubelles, furent tous adoptés. Cependant, personne
Aucun parent n'a voulu t'adopter. Et donc, nous avons pris sur nous de t'élever. Et tu as grandi avec nous. Alors, tu as commencé à travailler pour nous. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ceci? Je n'ai aucun intérêt à connaître tous ces détails. Je vais te dire pourquoi je fais ça. Parce que tu as décidé de me défier avec ton truc de la mairie. Mon truc de la mairie? Tu ne peux même pas appeler ça par son nom? Maman, c'est de mariage. Nous sommes mariés. Linda, je suis une femme mariée. J'ai épousé un grand homme. Et nous avons un merveilleux fils qui sera plus grand que nous parce qu'il sera responsable de toutes nos églises internationales. Je l'aiderai, maman. Non. Je peux l'aider. Non, Linda, non. Linda, ta fondation est déjà entachée. Non. Tu étais la seule gamine de la poubelle. Qui n'a pas pu être adoptée. Et donc, il y a quelque chose de spirituellement mauvais avec tes racines. Maman, non, non, s'il te plaît. Je t'en supplie, maman. Je serai la meilleure épouse pour ton fils. Je te le promets. Ça ne compte pas d'où je viens. Ce qui importe, c'est d'où je vais en Christ. Maman, je t'en prie. Je serai une bonne épouse Linda, pour ton fils. Je t'assure. Maman, ne sois pas égoïste. S'il te plaît. Ne sois pas égoïste. Nous avons tout donné. Et tu as voyagé partout dans le monde. Tu es allé dans les meilleures écoles. Et maintenant, veux-tu nous récompenser de notre gentillesse par le mal? Non. Annule cette union impie. Regarde-moi. Linda, regarde-moi. Annule ces conneries. Ok, ouais. J'ai déjà emballé toutes tes affaires. Alors, ces photos iront dans ta maison, ok? J'apporte ces valises dans la maison de ton mari. Hey, baby, qu'est-ce qu'il y a? Hein? S'il te plaît, assieds-toi. M'asseoir? On doit parler. Bébé. Mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le souci? Bébé, allez, s'il voyons, te plaît, hein? Arrête. Je. Bébé, c'est quoi le problème? Allons-y chez nous! Attends. C'est quoi? Nous n'avons certainement pas réfléchi. On commet une grosse erreur. Comment ça, une grosse erreur? Genre, on commet une grosse erreur? Bébé, arrête ça. Je sais pourquoi tu es comme ça, ok? Voilà, je ne me suis jamais mariée. Tu ne t'es jamais mariée, alors tu deviens un peu réticente. Tu comprends? Mais hey, ça va aller. Hey, écoute-moi. Je veux une annulation. Quoi? Quoi? Ok. Ça, c'est la meilleure. Ok, bébé. Une annulation. Oui. Ok. Je comprends ce qui t'arrive. Pour toi, c'est mettre la charrue avant les bœufs qu'on devrait d'abord avoir la bénédiction des parents. Exactement. Je veux dire, ce que nous avons fait, c'est de mettre la charrue avant les bœufs.
On aurait d'abord dû obtenir la bénédiction des parents. Puis, on a commis une erreur. Ok, toi et moi, je parle de tout ceci. C'est une grosse erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui est drôle? Excuse-moi, mais tu es trop drôle. On aurait dit ma mère est en train de parler. Oui, elle a raison. Ta mère a totalement raison. Je veux dire, comment peux-tu épouser une fille qui n'a personne pour pouvoir accepter sa dot? Arrête ça, arrête ça. Tu dois arrêter ça, arrête ça. Écoute, tu es ma femme. Tu es ma femme, ok? Tu es celle que j'ai choisie. Et si j'avais l'opportunité de prendre cette décision un millier de fois, je te choisirais toujours. S'il te plaît, arrête de rendre les choses aussi difficiles qu'elles ne le sont. Tu me rends la tâche difficile. Que se passe-t-il? Regardez. Arrête ça et dis-moi ce qu'il y a. D'où vient ce changement d'avis? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas être ingrate, surtout envers l'évêque. Surtout envers l'évêque? Attends, mon père t'a-t-il mis la pression? Non! Mon père t'a-t-il mis la pression? Non! Pourquoi est-ce que tu penses à ça? Écoute, bébé, je t'ai épousé pour la simple raison que je t'aime. Je t'ai épousé parce que tu es la femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie, ok? Et rien ne changera le fait que tu sois ma femme et ma fille. Alors rentrons à la maison et nous en parlerons de tout ceci. Allons-y, arrangez les choses. C'est fini entre nous. C'est fini, Joe. Chérie, je te demande d'arrêter ça. Arrête. Et tu vas m'écouter maintenant. Je vais continuer où je me suis arrêté. Tu es ma femme. Tu es ma vie. Rien ne nous empêchera de rester mariés. Nous sommes mariés. Nous sommes déjà mariés. Ok, tu le comprends? Nous sommes déjà ensemble. On vivra ensemble et on fera des enfants. Je ne peux pas épouser un bébé de la poubelle. Je ne suis pas assez bien pour toi. Quoi? Un bébé de quoi? Tu as dit un bébé de quoi? Un bébé de quoi? Un bébé de quoi? Un bébé de la poubelle? Non, ça c'est vraiment le comble. Ça c'est le comble, ça c'est le comble. Je suis un homme et je suis censé vivre ma vie comme je l'entends. Calme-toi. Maman, vraiment, je m'attendais à quoi ça du moment, mais pas de toi, papa. Pas de toi. Eh bien, si tu mets cette colère hors de tes propos, là, je pourrais mieux te comprendre. Papa, tu ne comprends pas. Écoute, écoute, Linda, tout à l'heure, a employé le terme bébé poubelle. Ce terme vient d'où? C'est ça ma question, où est-ce que c'est venu? Fiston, ne me parle pas du tout sur ce ton. Surveille ta langue. Je dis calme-toi. D'accord? Waouh! Andy, t'es rentré? T'as mangé? Le chef a fait ton plat préféré aujourd'hui, la soupe à Fan. Je vais lui dire de te servir ça. Viens, chérie, viens. Viens, s'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est quoi le problème? Prends place. Ah bon, c'est quoi le problème? Tu agis comme si tu ne m'as pas entendu arriver, hein? Tu fais comme si tu ne m'as pas entendu me plaindre. Je suis papa en cachette. N'as-tu pas entendu le sujet de mes plaintes? Tu viens là parce que tu es heureuse. Fils, tu ne parles pas du tout à ta mère sur ce ton. Surveille ta langue. Et je t'ai dit de te calmer. Chérie, notre fils croit que j'ai parlé avec Linda et que j'ai utilisé l'expression « bébé de la poubelle ». D'où est-ce que cela vient? C'est ce qu'elle a dit à mon fils.
Je crois que je dois l'appeler pour qu'elle finisse ce qu'elle a commencé. Non, tu ne vas... Si ses plans étaient de détruire cette famille, je vais... Tu ne feras pas du tout une chose pareille. Laisse-moi régler ça. Donne-moi le téléphone. Un homme sage fait trois choses quand il reçoit une information. Il l'écoute, il réconcilie et il pose des actes. Pour couper l'histoire courte, mon fils, ta mère et moi avons décidé de financer ton mariage. Oui. Maman a accepté? Oui. Meg. Meg? Eh bien, j'étais au bureau pour discuter des derniers détails du mariage avec Linda. Linda ne m'a jamais dit un tel truc. Alors en quoi est-ce ma faute? Si elle était trop occupée pour oublier les détails de son fameux mariage. Maman, l'objet de discorde ici, c'est l'expression bébé poubelle. Bébé poubelle. Pourquoi la traites-tu de bébé poubelle? Pour quelle raison? Pourquoi tu la traites de la sorte? Ferme! Tais-toi là-bas! Quelle audace! Comment oses-tu questionner ta mère? Comment oses-tu? Ok, ça suffit maintenant, ok? Tous les deux, ça suffit maintenant. Meg, dans la chambre. Tu vois, voici les vidéos. Des caméras de surveillance. Comment as-tu pu chérir? Comment as-tu pu dire à cette jeune fille des choses aussi horribles? Comment? Quand as-tu installé ces caméras au bureau? Donc cette petite sorcière savait qu'il y avait des caméras au bureau et elle m'a piégée. Tu es à côté de la plaque. Elle-même ne savait pas qu'il y a des caméras dans le bureau. Chérie, cette fille n'a absolument rien fait. Absolument rien fait pour t'offenser. Je l'ai entendu prier pour toi, à plusieurs reprises. Prier pour toi pour la longue vie et la bonne santé. Elle ne t'a jamais offensé. Tu dois laisser tomber. Laisse tomber. J'admets que je suis allée loin en la traitant de bébé de la poubelle. Mais je voulais juste, tu vois, lui raconter son histoire avant qu'elle ne décide d'épouser notre fils. Légalement? Elle est maintenant sa femme. Ils sont allés à la mairie et tout ça est légal. Ce mariage sera annulé. Évêque, parle-lui. Parle à Joël. Dis-lui d'annuler ça. Qu'il amène une autre fille. Qu'il amène n'importe qui d'autre. Je l'accepterai. Chérie, tu es allée trop loin, ok? Tu dois t'excuser auprès de Linda. Je ne ferai rien de tel. Jamais. Parce que j'essayais de protéger cette famille et notre fils. Ce n'est pas chrétien ce que tu fais, chérie. Ça ne l'est pas. D'autres choses concourent à notre bien. Tu dois les laisser tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Donc, tu veux dire que je suis la méchante? Chérie, laisse-les tout simplement tranquilles. Tu veux dire que je suis la méchante? Oui, je te demande juste de les laisser tranquilles. J'ai tout entendu. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Papa. Maman. Croyez-moi lorsque je vous dis que vous ne me verrez plus jamais si Linda décide d'annuler le mariage. Plus jamais. Piston. Joël. Thank you.
Jésus. Entrez. J'ai mes méthodes. Assieds-toi. J'ai dit, assieds-toi. Ok. Maman, qu'est-ce que tu attends encore de moi? J'ai rompu avec ton fils. Mais ton cœur, pas du tout. J'espère que tu n'essaies pas de t'enfuir avec mon fils. Honnêtement, j'ai déjà rompu avec ton fils. Andy a disparu. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Est-ce que tu ne l'as pas vu? Ne décroche pas mes appels. Je veux que tu le fasses. Il ne décroche pas mes appels. Maman, je ne comprends rien. Il n'y a pas longtemps, tu me demandais de rompre avec ton fils. Mais aujourd'hui, tu viens ici pour me demander de l'appeler. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Je te propose une trêve. C'est le seul moyen de sortir de ce merdier. Je veux que mon fils rentre. C'est simple. Une trêve? Et en quoi consiste cette trêve? Pour commencer, je retire toutes les informations sur ton passé que j'ai révélées. Pour commencer, je m'excuse de... d'avoir ruiné ta vie parfaite avec ma vie. Ne sois pas sarcastique. J'ai déjà accepté ta relation avec mon fils. Cependant, je ne t'accepterai comme belle-fille qu'après un véritable mariage religieux. Et si alors je n'accepte pas? Tu es perdue. Pour une fois dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'a choisi, qui t'aime. Et tu choisis de rejeter tout ça à cause de moi? Ah, je n'ai rien à perdre. Absolument rien. En me laissant... en me laissant porter le fardeau de la rancune toute ma vie? Exactement. Je l'accepte. Bien. Mais ne te mets pas sur ma route. Ne te mets pas entre mon fils et moi. Ok? Tout ce que je veux pour le reste de ma vie, c'est simplement d'aimer mon mari. Ton mari? Je vois que tu commences à sortir tes griffes. Une trêve? Attends l'appel de mon organisatrice de mariage. Tu es l'alpha.
et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Ah ah, frère Laurence, ah ah, calme-toi, calme-toi. Merci. Je t'ai toujours dit que tu as une très belle voix. Merci, merci, ah, merci. Tu veux seulement nous frustrer dans ce bureau? Écoute, je vais accompagner les fèques à la conférence de Toronto. Hein? Hey. Tu es sérieux? Ouais. Ah, tu es chanceux, hein? Ouais. Hey, merci, Seigneur. Nous te disons merci, merci, nous t'adorons, merci, merci Jésus. Ouais. Mais tu dois utiliser cette voix pour la chorale, parce que cette voix est très top. Ah, non, Dieu non, t'a non, donné non, un vrai non, talent. Non. Ma place est sur le pupitre. Je suis appelé à prêcher. C'est pour cela que l'évêque est mon mentor par excellence. Ah, c'est chouette. Merci. Tu es très chanceux. Eh bien, peu importe ce que tu choisis, je voudrais que tu saches que je suis très fière de toi. Merci, merci infiniment. Tu as le bras droit de l'évêque. Pourquoi ne sors-tu pas pour chanter? Non, je ne peux pas chanter. Je travaille pour l'évêque depuis longtemps maintenant. Je me dis, si j'entre à la chorale maintenant, il ne saura pas quoi faire. Il ne saura vraiment écoute, pas s'en sortir. Et chanter. Tu as une superbe voix. Tu dois sortir et toi, chanter. Toi. Tu dois aller là dehors non, toi, et chanter. Toi, sors et chante. Oui, tu dois le faire. Tu dois utiliser ce talent. Vas-y, tu dois chanter. Non, toi, tu dois venir ici. Ministre Lorenz, ici est un bureau d'église. Et la dame à qui tu parles est une femme mariée. Bon après-midi, maman. Lawrence. Madame. L'évêque a-t-il approuvé la logistique pour les ministres qui arrivent pour la conférence depuis le Ghana? Je ne suis pas sûr, madame. Tu n'en es pas sûr? Est-ce qu'on te paye pour que tu ne sois pas sûr? Va dans le compte et fais signer le budget rapidement. Bien, madame. Il n'est pas sûr. Et toi, madame? Tu devrais avoir honte de toi, à plaisanter avec le ministre Lawrence. Ne sais-tu pas qui tu es? Maman... La belle-fille de l'évêque? Maman, on ne faisait rien de mal. On ne faisait que communier. Ferme ta bouche et dépose ce que tu tiens en main. Je te parle et tu me réponds. Désolée. Communions mon œil. L'évêque sera au courant de cette communion-là. C'est même quoi le problème de cette femme? Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Je n'en peux plus. Meg, quelque chose ne va pas? Oui. Ta soi-disant belle-fille, alias la secrétaire, flirte avec Lawrence. Peut-être qu'il ne faisait que communier. Tu sais, le Seigneur dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Évêque Davidson et Toon. Donc, si tu les vois sur un lit, c'est là que les écailles vont tomber de tes yeux, c'est ça? Meg, comment oses-tu? Comment oses-tu penser à une chose aussi vulgaire? À tes yeux, Linda n'a jamais rien fait de mal. Elle n'a jamais rien fait de mal, c'est ça? Meg, ma chérie, Lawrence et Linda ont toujours été très proches depuis leur tout premier jour ici, à l'église. Depuis leur enfance. Et tu sais ça? Ils sont juste amis et rien d'autre. Dis-moi, évêque, pourquoi suis-je la dernière personne que tu écoutes? Pourquoi suis-je même ta femme? Pour l'amour de Dieu. Meg, ma chérie, le fait que tu sois ma femme ne voudrait pas dire que je doive toujours accepter toutes tes idées paranoïaques, et ce tout le temps. Oui, entrez. Bon après-midi, monsieur. Oui, Lawrence. Bon après-midi, madame. Les documents du voyage. Et tenez, signez-la. D'accord.
Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse. Au revoir, madame. Dieu te bénisse, fils. Merci, monsieur. Que Dieu te bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu vois ton super fils là? Celui qui vient juste de sortir. Je vais te dire ce qu'il compte faire. Il compte te surplanter après ta retraite. Ouvre les yeux, évêque. Ah, oh, mec, ma chérie. OK, d'accord, d'accord. Je t'ai entendu, OK? Je vais m'occuper de ça, d'accord? Et je vais leur demander d'être un peu plus professionnels dans le cadre du bureau. Ça te va maintenant? Je ne te comprends pas du tout. Pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Même pas cette fois? Tu travailles trop, ma chérie. Hein? Tu travailles trop. Et de toute évidence, je vois que cette conférence te fait un peu trop stresser. Je te propose quelque chose. Allons déjeuner et se détendre quelque part. Allez, viens. Évêque, je ne suis pas venue ici affamée. Je suis venue te passer une information importante. Mais comme tu ne m'écoutes pas, je pense que j'ai mieux à faire. Merci. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Ah, oh, Seigneur. Je te l'affirme. Il y a quelque chose entre Linda et Lawrence. Maman, sérieusement? Oui. Vraiment? Oui. Maman, c'est donc là l'urgence à laquelle tu voulais me parler au point de me distraire dans mon boulot? Bien sûr. C'est une urgence. Et depuis toutes ces années, ton père et toi m'avaient ignoré. Et ces deux-là se mettent à l'aise. Maman, tu sais que papa m'a dit que tu devais faire ça. Oui, il me l'a dit. Mais ma question, c'est pourquoi tu ne veux pas aimer Linda juste un tout petit peu? Ah, maman, tu peux au moins faire l'effort de l'aimer pour moi ou alors pour tes petits-enfants. Crois-moi, il ne s'agit pas de cela. Tu sais, la chair n'est pas née de nouveau. Et n'oublie pas, nous avons tous été dans le monde. C'est-à-dire? Écoute, je reconnais une tension sexuelle quand j'en vois une. Ces deux-là, ils sont embourbés. Lawrence et Linda. Ouvre les yeux. Tension sexuelle? Oui. Ma Linda. Cette femme. Pourquoi tu rigoles? Et où est-ce que tu vas? S'il te plaît, laisse-moi travailler. Qu'est-ce qui est drôle? Tension sexuelle. Tu vas m'effacer ce sourire de tes lèvres? J'ai dit d'effacer ça. Là, c'est mieux. En tout cas, il y a autre chose. OK. Je t'écoute. J'ai constaté que Lorenz veut prendre la place de ton père après sa retraite. Donc tu dois t'imposer. M'imposer? Comment? Tu dois t'impliquer. Viens dans les bureaux de l'église plus souvent. Maman, sérieusement? T'ai-je déjà dit un jour que j'aspirais à devenir pasteur? Hey! Sang de Jésus! C'est quoi ce genre de question? Ne sais-tu pas qui tu es, le fils unique de l'évêque Davidson et tout? Ah, maman, s'il te plaît, arrête ça! Parce que je suis son fils unique, ça veut dire que je suis amené à prêcher! Aïe! J'arrive pas à le croire. De quoi est-ce qu'il parle? Non, j'arrive pas à y croire. De quoi parle-t-il? Je dis ce que j'avais à dire, ok? Je suis allé dans une des meilleures universités dans le monde, ok? J'ai été formé pour être avocat. Voilà, c'est là-bas qu'il y a ma passion. Et alors c'est quoi? Je croyais que ce n'était qu'un passe-temps. Non, je suis avocat, c'est tout. Je ne veux rien à part ça. Laurence peut prendre le ministère s'il veut, je le fous. Jamais, ça n'arrivera pas. Hey, mon Dieu, ça ne peut pas arriver. Plusieurs années de sacrifices, des décennies de travail vont aller entre les mains d'un étranger. Maman, arrête. Jamais ça n'arrivera pas. Arrête, maman. Pas. Écoute-moi, maman, tu sais quoi? Ça n'arrivera jamais. Cela n'arrivera jamais, ok? Ok, maman, je suis avocat. Seigneur, maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Toutes ces années de labeur.
Des sacrifices maman, n'iront jamais entre les mains d'un étranger. Je suis avocat, est-ce maman. Que, est-ce, okay? que est-ce que tu m'entends? Je fais ce ça que n'arrive je veux. Jamais. Au nom de Jésus, tu ne pourras pas réussir dans ça, Satan. Ah, mon fils unique, notre fils unique. Au nom de Jésus, tes yeux s'ouvriront au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il raconte là? Joël, reviens ici. Viens ici. Tu es le pasteur dans cette famille. Tu dois devenir évêque au nom de Jésus. Ah, ah, où est-ce qu'il s'en va? Laurence, merci. Je veux dire, nous sommes amis depuis très longtemps maintenant. Et nous le resterons toujours. Mais Linda, nous avons un souci que nous ne pouvons ignorer. Et par la grâce de Dieu, je crois au destin. Reste forte, d'accord? Reste forte. Merci. Reste forte. Je le ferai. Enlève tes mains! T'es ma femme! Toi. Toi. Bébé. Bébé. Viens, on y va. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé, je t'ai demandé d'avancer. Calme-toi et avance. Tu es en train de je t'ai demandé d'avancer. Peux-tu arrêter? Avance! Fais-le vite. Tu me fais mal! Ah! Vas-y, bébé, avance. Attends, calme-toi. Calme-toi, ralentis, tu vas nous tuer tous les deux. Non, 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 écoute-moi, commence à parler maintenant, raconte-moi. Commence à parler maintenant, c'est ce que je te demande, commence à parler. Ok, attends, tu prends les choses au premier degré. C'est vrai? Oui. Ah, vraiment? Parle-moi de cette histoire de destinée. Parce que je vous ai entendu parler de destinée, oui, c'est parce quoi que cette nous destinée? Nous sommes des amis, nous sommes des enfants de la destinée, nous servons le Dieu vivant. Tu vas arrêter cette bêtise? Je ne te permets pas d'insulter mon intelligence. N'insulte pas mon intelligence, ok? N'insulte pas mon intelligence. Chérie, ralentis. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de destinée dont vous étiez en train de parler? Il était en train de dire que, en fait, tu ne me protèges pas de ta mère. Oh, vraiment? Oui. Oh, vraiment? Il a parfaitement raison. Et il a raison? Tu es en oui, train d'affirmer qu'il a raison? Pas. Non, c'est ça, il a raison. Et c'est normal qu'il s'inquiète. Qu'il s'inquiète pour toi? Oh, Meg. Évêque. Aurais-tu aperçu Linda quelque part? Elle devrait être dans son bureau. Oh, je l'ai appelée à plusieurs reprises, après que l'interphone se soit éteint de son côté, mais elle n'a pas répondu. Peut-être que tu devrais demander à Lawrence. Lawrence devrait le savoir. Où qu'il soit, elle ne serait pas loin de là. Oh, voilà, Lawrence. Le voilà. Viens. L'évêque a une question pour toi. Évêque, demande-lui. Lawrence... Est-ce que tu auras aperçu Linda quelque part? Monsieur, Linda est partie avec votre fils, il y a peu. Sortie? Mec, tu as entendu ça? Sortie? Comment Linda part-elle du bureau sans toutefois me prévenir? C'est à moi que tu demandes. Lawrence a toutes les réponses sur Linda. Demande-lui. Hein? Et réponds à ton papa. Vas-y. Oui, monsieur. Sommes-nous en train de parler de la même chose? Écoute, tu m'en fiches! Je parle de ce que je veux parler, ok? Je parle ce que je sais et ce que je veux savoir! Moi me le dire! Parce que je pense qu'il y a autre chose! Il y a autre chose! Il y a autre chose! Ce n'est pas toi! Ce n'est pas toi! Ce n'est pas toi! Ok? Ce n'est pas toi! Ne me dis pas ce que j'ai à faire! Tu ne me commandes pas! Laisse-moi tranquille! Dis-moi ce que je vais entendre! Allô, Joël. Garde ta voiture correctement et rejoins-moi dans la mienne. Je viens de te voir au volant avec Linda. Je suis garée à l'extérieur des locaux de l'église. Joël, pose pas de questions. Pitié, fais juste ce que je dis. Je t'attends. Ok, maman, je suis là. Que s'est passé? Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Cesse de jouer à l'ignorant. Je suis ta mère. Parle-moi. Maman, c'est Linda, ok? Linda, en fait, je l'ai vue! Tu sais quoi? Il ne s'est rien passé, c'est pas tes affaires. Pas mes oignons? C'est pas tes affaires. Ne vois-tu pas que tout ce que je fais, c'est d'essayer de protéger cette famille? Mais ton père et toi me voyez seulement comme votre ennemi. Maman, sérieusement, je vais te dire un truc. À cause de tes constantes interventions, je ne sais même plus ce que j'entends ou alors ce que je vois. Intervention. Oui.
Ah! Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux me laisser planter là? Maman, j'ai eu une journée vraiment stressante, s'il te plaît, maman. Ma tête est vraiment pleine, je dois rassembler mes idées, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je dois partir maintenant, maintenant, s'il te plaît, Joël, s'il te plaît. Joël, reviens ici. Oh, mais... Oh. Oui, Linda. Oh, très bien, très bien. S'il te plaît, n'oublie surtout pas tout ce dont on aura besoin au bureau, hein? Hein? Très bien. Et n'oublie surtout pas notre soupe spéciale. Alléluia. Alléluia. Tu connais très bien mon régime. Je te verrai là-bas, ma chérie. Vois-tu, les esprits se rencontrent, dit-on. D'accord, je te verrai là-bas, ma fille. Au revoir. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Évêque, comment se fait-il que tu ne m'aies pas informé de ton voyage? Oh, ce n'est juste hier que le président de la Ligue pentecôtiste m'a informé que je devais aller le représenter demain au Rwanda. Je n'ai aucun problème avec ça, mais pourquoi, ne me l'as-tu pas dit? Oh, je suis désolé, j'ai reçu la nouvelle très tard hier. Et aussitôt que je suis rentré à la maison, je me suis simplement couché. Désolé. Es-tu obligé de voyager avec Linda? Eh bien, manifestement, le choix dépend de toi. Mais comme tu es occupé à préparer la conférence à venir, je dois m'y rendre avec mon assistante personnelle. Tu iras avec quelqu'un d'autre, pas Linda. Meg. Pas Linda. Tu iras avec quelqu'un d'autre. Davidson, on n'a pas terminé là. Davidson. Oh non, Meg, qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'aime vraiment pas le fait que tu me fasses paraître paranoïaque tout le temps. Je suis désolé, chérie, mais tu as l'air paranoïaque là maintenant. Et lâche la grappe à cette fille. Dis-moi, que peut-elle faire pour gagner ton cœur? Dis-moi. Eh bien, je n'aime pas le fait que ce soit elle qui cuisine pour toi. Je n'aime pas ça du tout. Ça ne me paraît pas bien du tout. Je suis ta femme. C'est à moi de m'occuper de tes repas. Mais chérie, ça fait longtemps que tu ne cuisines plus. Le chef fait toute la cuisine. Et dis-moi, qu'y a-t-il de mauvais que j'aime sa soupe aux fruits de mer? C'est mal. Ah, arrête d'être une gamine, hein? Davidson. Où est-ce que tu vas, Davidson? Allô, mon fils, comment tu vas? J'espère que ta femme ne te manque pas. Ouais. Tout comme ton mari te manque, pas vrai? J'espérais que tu m'amènerais mon petit-fils pour passer du temps avec moi au bureau de l'église. David, tu es sûr que tu peux gérer sa turbulence? Bien sûr que je peux le gérer. Ne t'ai-je pas supporté? S'il te plaît, amène-le ici. Cette semaine est la seule que je peux passer avec lui avant que sa mère et son grand-père ne reviennent. Et qu'on se mette tous à se disputer pour son attention. Ok. D'accord. Du moment où tu peux gérer la turbulence de ton petit-fils, son énergie, pas de souci. Et dis-lui que sa grand-mère va lui faire un pop-corn cuisiné spécialement. Les pop-corns spéciales de grand-mère. Ok. Bien sûr. Ne sois pas jaloux, ok? D'accord. Pas de problème. Tu auras ton petit-fils avec toi. Demain, no problemo. D'accord, mon chéri. Bye. D'accord, maman. Prends soin de toi. Peter, merci infiniment pour avoir organisé toute la conférence avec autant d'expertise. En plus de ça, tu nous as aussi fait une grande remise. Notre ministère t'est reconnaissant. Merci infiniment. Maman, je suis reconnaissant parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter votre église, le Seigneur m'a béni grandement. Ah, merci beaucoup, tu maman. Tu es bon. Tout le temps, maman. Tout le temps. Ah, pasteur Lawrence,
Tu ne m'as pas dit que tu es mariée et que tu as un fils. Il te ressemble vraiment beaucoup. Excuse-moi. Viens, David. David est mon petit-fils. Ce n'est pas son fils. S'il te plaît, amène-le chez le comptable pour récupérer son chèque. Merci, maman. Bien, madame. Merci infiniment. Peter. Venez, suivez-moi. Andy. Allô, maman. Pourquoi as-tu donné mon petit-fils à Lawrence? Je suis confus. Tu m'as pourtant dit de le remettre à l'un des ministres qui est en bas parce que j'étais pressé. Il est avec moi, il va bien. Et c'est quoi le problème? Il y a de cela quelques semaines, tu soupçonnais Lawrence d'avoir une liaison avec ta femme. Je ne garde pas de rancune. Je crois en ma femme. Ok, oh. Si tu dis que ça va, d'accord. Tu fais confiance à ta femme. Ok. Docteur, faites. Tu sais que ton père, le regretté mémoire, le fondateur et le directeur général de cet hôpital, était notre médecin personnel. Oui. Donc, j'aimerais bénéficier de la plus grande discrétion et considère cette visite comme top secrète. Bien sûr, maman. En plus d'être la femme de mon évêque et notre longue relation familiale, la confidentialité est la priorité ici. Ok, très bien, très bien. Et l'autre échantillon, je te l'apporterai aujourd'hui. Pas de problème. Oui. David n'est-il pas charmant? Oh oui, c'est inhabituel de sa part. D'habitude, il a peur des hôpitaux, mais aujourd'hui, il est plutôt calme. Docteur Fitt, on doit agir vite, parce que je dois le ramener chez son père. Pas de problème. Je lui mets tout de suite. Dépêchons-nous. Hé, hey, je vois que tu es rentrée avec Sa Majesté Royale, hein? Sa Majesté Royale, c'est vrai. Ah, mon petit-fils est trop agité. Ouais, comme son père. Non, non, je suis sérieuse. Il ne comprend pas que sa grand-mère est en train de vieillir. Il m'a forcée à jouer avec lui toute la journée. Ah, sérieux? Tu dois le payer parce qu'il fait faire du sport à sa grand-mère. Pardon? Laisse-moi aller le coucher, il doit se reposer. Ah, c'est compris. Tu vas bien? Oh. Tu es si calme. Seigneur, tu m'as fait peur.
Maman, que fais-tu ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? J'étais aux toilettes. Dois-je te demander la permission? Qu'est-ce que je fais là-bas? Désolé. Ah, je vais donner son bain à David et... Maman, et je m'en vais. Partir? Oui. Non, comment ça partit? Je suis dans ma cuisine un truc. Linda a voyagé. Ah, et tu recommences. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit quand tu étais plus jeune que tu devais apprendre à cuisiner. Il y a 2 jours, j'ai beaucoup cuisiné pour toi. Et j'ai rempli ton congélo. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre, réchauffer, manger... Maman, voyons. S'il te plaît, ne fais pas les choses comme ça. J'ai besoin d'un repas frais. Je ne vais quand même pas manger un truc venant du congélateur. Va dans ton congélo, je ne suis maman, pas... Maman, arrête ça. Va là-bas, prends un repas, réchauffer... Maman, je veux que tu cuisines un truc pour moi. Non, maman, s'il te plaît. Ah, Dr. Fit, Dieu merci. Je croyais que je ne te trouverais pas. Je vous attendais. Les bouchons étaient de taille. Ah! Je comprends. Donnez-moi l'échantillon. Ok. Je l'ai juste ici. Le voilà. Ok, je l'amène au labo tout de suite. Et les résultats finaux sortiront. Ok. Dr. Fit, j'apprécie ton soutien et ta grande discrétion. Pas de problème, maman. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es vraiment la fille de ton père. Ça fait 5 jours déjà. Tu as dit que ça devait faire seulement 2 jours. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu faire cela? Je te croyais professionnel comme ton défunt père. Oublie ça. Quelle excuse vais-je donner afin d'entrer dans la chambre de mon fils pour prendre un autre échantillon? Ça va marcher? Ok, ça va. C'est facile pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ses cheveux de sa brosse. Ok. D'accord, mais faites. Je ne veux plus être encore déçue. Je veux qu'on s'en tienne à ces 2 jours comme promis. Faites. Pas d'excuses. Pas de faux bons. Ah, bébé, ma Mon femme. Amour. Tu m'as manqué. Tu m'as également manqué. Ah, Dieu merci, t'es rentrée. Plus de dîner, congélé. C'est fini avec les bagarres au micro-ondes. Tu es sérieux, j'en pouvais plus. Mon amour, t'inquiète. Maintenant que je suis rentrée, je te promets que je vais me rattraper t'as pour intérêt. Ce dîner. Tu m'as manqué. Mais je croyais pourtant que ta mère s'occupait très bien de tes repas. Ouais, elle a fait. Mon bébé est rentré. Ouais, je suis rentrée. Bien sûr, bébé de retour. Waouh, je vois que vous vous amusez tous bien là. Ok, super. Merci, maman. Merci, mon mari. Super, Linda, tu as l'air si radieuse. J'imagine que tu as aimé ton voyage avec l'évêque. Oh, oui, chérie, ce n'était pas un voyage de plaisance. C'était réunion sur réunion. Tous les jours, réunion sur réunion. Comme nous sommes en train d'ouvrir une branche de notre église au Rwanda, c'est une tâche herculienne, tu sais. Mais le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et qu'il te soutienne dans tous tes projets personnels et privés au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, mon mari sort d'un très long voyage et il doit se ressourcer. Il doit manger pour la tâche à venir. En tout cas, moi je ne connais pas ces tâches. Je ne veux même pas savoir. Moi j'ai faim. Je suis également. Il y en a assez pour. Maman, les plats nigérians m'ont manqué. J'ai hâte de manger ton repas. Il y en a assez pour tout le monde. J'ai cuisiné pour tout le monde. Avant de manger, prions d'abord. Ok. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Blessings I see. All I have need is your hand that's provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee.
C'est délicieux. Tu as à peine mangé ta nourriture. Oh, pardonne-moi, mon mari. On dirait que j'ai trop grignoté à la cuisine. Je viens de constater que je suis rassasiée. Quant à moi, je vais me resservir parce que ce repas est très délicieux. Bien sûr, chérie. La cuisine de maman est extraordinaire. C'est vrai, c'est un véritable cordon bleu. Chérie, tu t'es surpassée cette fois. Tout le monde sait que l'une des raisons pour lesquelles j'ai épousé ma femme, c'est à cause de sa merveilleuse cuisine. Oh, mon merveilleux mari. Et la fidélité. La fidélité. Fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité se renouvelle chaque jour. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Maman. Oui. Je te connais très bien. Où veux-tu en venir? J'espère bien qu'on ne va pas entendre une autre histoire sur Lawrence. Lawrence. Joël, ne sois pas idiot, s'il te plaît. Arrête ça. Meg, je viens de rentrer d'un très long voyage. Et je passe un très bon moment avec ma famille. Pitié. Ne gâche pas ce merveilleux moment que je suis en train de passer avec ma famille. La famille. Oui. J'aime bien ce mot, la famille. Famille. Oh, mon cher époux. J'ai fini par comprendre que nous sommes tous étroitement liés. Que je ne l'aurai jamais, jamais. Jamais su. Meg, où veux-tu en venir exactement? Je vais vous le dire. Maintenant, mon merveilleux mari, évêque Davidson Etoun, et mon fils, Monsieur Joël Etoun. Et toi, notre belle-fille, Madame Linda. Pitié, pitié, pitié. Que personne ne m'interrompe jusqu'à ce que je finisse. Cependant, avant ça, j'aimerais que vous terminiez vos plats et que vous me retrouviez au salon pour que le spectacle commence. Dieu, ta fidélité. Ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité. Ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Mesdames et messieurs, non, désolé. Madame Linda et messieurs, j'ai fait quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je devais le faire. J'ai dû éclaircir mes doutes. Pour connaître la vérité, je suis donc allée chercher la vérité. Bon après-midi, maman. Faites pitié, pas de flatterie, tu sais pourquoi je suis ici.
Maman, les résultats de l'ADN en montrent une relation positive entre tous les donneurs. Faith, s'il te plaît, explique-moi en des termes clairs. David est-il le fils de Joël ou non? C'est tout. J'ai bien peur que non, maman. Je le savais. Je le savais. Je n'ai cessé de le dire. Je voulais éclaircir mes doutes. Et j'ai découvert la vérité. Cette fille, c'est une menteuse. Et je vais l'exposer. Je vais l'exposer. Maman, tu te souviens que j'ai dit que tous les donneurs étaient liés? Oui, 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 oui. Alors, je veux dire, je ne comprends pas. Les résultats du test montrent que David... David est le frère de Joël. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? David est le frère de Joël? C'est insensé. Ça ne colle pas. Non, 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 non. S'il te plaît, explique-toi. Explique. Les premiers échantillons d'ADN n'étaient pas corrompus. J'ai demandé l'échantillon de l'évêque pour confirmer. Faites, cesse de jouer avec moi. Cesse de jouer avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le père biologique de David est son supposé grand-père. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Faites! Ah. Mon mari, l'évêque? L'évêque? Est le père de qui? Oui. Est le père de qui? Oui, maman. De qui? Le père de David? C'est impossible, non. Ça ne peut... Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Évêque. Évêque. Tu es cinglé. Maman, maman, pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Pourquoi? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est sans voix? À cause de la liaison que tu as avec son père. Liaison? Quelle liaison? Meg, ne me pousse surtout pas à te maudire. Ne me pousse surtout pas à te maudire. C'est quoi ces bêtises? Je suis désolée, Joël, que tu aies dû le découvrir ainsi. Laissons-les tranquilles pour qu'ils puissent continuer ou recommencer à forniquer ensemble. Maman, pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi? Es-tu vraiment ma mère? Joël, je l'ai fait pour toi. Je devais prouver que ton père, l'évêque, est le père de David. Linda, je vais dans la voiture maintenant. Crois-moi quand je parle, crois-moi quand je dis que je ne passerai plus 5 minutes ici. Amène David. Amène David sur le champ. Joël, où est-ce que tu vas? Que se passe-t-il ici? Évêque, tu vas lui permettre d'amener ton fils dans la maison d'un autre homme? Sois responsable pour une fois. Assume la responsabilité de ton fils. Meg! Écoute, je crois que tu es cinglé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. Tu as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Évêque, moi, folle alliée. Évêque, la folie, c'est un évêque qui donne à son fils unique un frère avec la femme de son fils. C'est ça qu'on appelle la folie. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu ne sais rien faire du tout. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tromper, tu ne sais pas bien le faire. Tu vas me tromper avec ta belle-fille, espèce d'idiot. C'est quoi ça? Pardon. Oh mon Dieu. Le dernier jour, c'est les vrais croyants seront enlevés. Le dernier jour, le dernier Meg. Jour. Meg, s'il te plaît, assieds-toi et discutons. Meg n'a rien à discuter avec toi. Ah, Meg, pouvons-nous au moins nous asseoir et avoir une conversation? Parce que ce silence n'arrange pas du tout les choses. Jean
1, verset 15. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Et je suis à l'aise en étant debout, comme un enfant de lumière. Meg, Meg, je suis ton mari et tu dois me respecter. Tu comprends ça? Tu dois me respecter. Te respecter? Respecter un évêque qui ne couche pas seulement avec sa belle-fille, mais a aussi fait un enfant avec elle. Non, 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 non. Non, jamais. Meg, d'où est-ce que tu sors ça? Et je ne peux pas te laisser, en ma présence, dire de tels mensonges. Des mensonges? Oui, tu mens! Évêque, tu as dit... Tout ceci, c'est des mensonges. Tu as dit mensonges? Oui. Ok, ok, ok. Faisons ceci. Peux-tu refaire le test ADN? Sens-toi libre d'aller dans un hôpital de ton choix. Comme ça, on pourra prouver au monde entier que tout ça n'est qu'un mensonge. Mais on connaît la vérité, Davidson. Davidson, tu couches avec ta belle-fille et ta soi-disant fameuse assistante personnelle. Honte à toi. Davidson, honte à toi. Meg. Honte à toi, Davidson. Meg. Écoute, si tu continues à perpétuer ces mensonges non fondés, tu vas partir de chez moi. Et tu vas sortir de ma maison. C'est quoi ces accusations? Les derniers jours, seules les vrais croyants seront levés. Le dernier jour, seuls les vrais croyants seront levés. Le dernier jour, seuls les vrais croyants seront levés. Le dernier jour. Père. Bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi est-ce que tu dors dans cette chambre? Tu dors dans la chambre d'Amé. Tu es censé dormir dans notre lit conjugal. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors très tôt le matin. Tu rentres tard le soir en puant l'alcool. Ah.
Ça, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Non, ça, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Je veux que l'homme que j'ai épousé revienne à la maison. Il rentrait toujours tôt. Il rentrait, il jouait avec notre fils. Il était amoureux de sa femme, il était attentionné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hé, hey, pardon. Tu as bien dit notre fils? Excuse-moi, tu as bien dit notre fils? Tu l'as dit? Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux plus jamais, jamais entendre ça. Parce que la femme que je connais, l'épouse que je connais, ne partage son corps qu'avec son mari, et non avec son père. Puis-je, moi, m'expliquer? Je ne veux plus entendre que c'est mon fils. Je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus entendre que c'est mon fils, je ne veux plus. Mais ça, c'est pas l'homme que j'ai connu. L'homme que je connais est patient et gentil, il m'écoute toujours, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Pourrais-je, moi, te parler? Écoute-moi. Laisse-moi, moi, t'expliquer. Linda, j'essaie actuellement de digérer toute cette situation. J'essaie de digérer toute cette situation. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Tu sais ça, ok? Alors écoute-moi. Je refuse d'être un boxeur de femme. Je refuse d'être un mari boxeur. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne pousse pas à ça, tu comprends bien? S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu vois ça? Tu vois ce truc aux yeux du public? Nous sommes mariés, mais on connaît la vérité, ok? Pas ces conneries, ok? On connaît la vérité, ok? Tu vois, je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Ouais. C'est ça. Je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Mais tu vois cet homme? Hein? Cet homme en particulier qui ne te connaît pas, qui ne sait pas de quoi tu es faite, qui ne te reconnaît pas, veut que tu quittes sa présence sur le champ. Est-ce que tu me comprends? Quitte ma présence. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir. Mais s'il te plaît. Es-tu malade? Je suis Dion. Ce n'est pas ce que va-t'en, tu va-t'en. Laisse-moi. Va-t'en maintenant, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Dion. Dégage de ce lieu. Vas-y, dégage. Dégage. Je t'en prie. Dégage. Je t'en prie, s'il te plaît. Bébé. Ne ferme pas la porte. Bébé, s'il te plaît, ouvre. Ouvre cette porte. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu m'écoutes, bébé. Bébé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Mon amour. Bébé, Joe, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi juste une minute le temps de t'expliquer tout ça. Je t'aime tellement. Maman? Toi? Maman, bon après-midi. Puis-je avoir mes clés? Maman, je... Où est mon trousseau de clés? Maman, l'évêque a laissé des instructions scrites. Il a dit que je ne te donne pas ces clés. Je suis désolée, je ne peux pas te les donner. Tu as l'audace de te montrer ici, après tout ce qui s'est passé. Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste le temps de m'expliquer. S'il te plaît, ce que je veux dire... La ferme! D'abord, tu as pris mon fils. Ensuite, mon mari. Maintenant, tu veux arracher le ministère que Dieu m'a donné. Tu es malade. Maman, écoute. David est l'évêque et moi. On n'a jamais... Donc, David et moi... Tu vas fermer ta gueule? Arrête de dire des bêtises. Tu n'arrives même pas à être cohérent dans ce que tu dis.
Écoute, je vais te dire. J'ai ravalé ma fierté ces derniers jours pour t'accepter, espérant qu'un jour, tu disparaîtrais avec tes mensonges. Maman. Mais maintenant, vous croyez tous que je suis folle, n'est-ce pas? Non, non. Écoute-moi très bien. Retiens mes paroles. Tu le regretteras. Maman, tu es ma mère, s'il te plaît. Mais madame, fous-moi le temps. Donne-moi une minute, donne-moi juste une minute le temps de m'expliquer. Ce que j'essaye de te dire, c'est que ce n'est jamais arrivé. Tu le regretteras. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu vas la fermer? Me calmer? Me calmer pour toi? S'il te plaît, je t'en prie. Fous-moi la paix. S'il te plaît, puis-je au moins te parler, maman, s'il te plaît. Mon Dieu, comment vais-je sortir de ce merdier? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non. Allô? Faith, je suis en route pour ta maison actuellement. J'en ai marre d'être une femme chrétienne compréhensive. Maintenant, il est temps de rendre coup pour coup. Oui. Maman, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? Que je me calme? Sais-tu qu'ils m'ont taxé de paranoïaque maintenant? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Moi, un démon parmi les saints. S'il te plaît, Je comprends que tu sois fâchée, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, oh. Tu ne me connais pas du tout. Parce que, la mec que tu connais, est peut-être la femme de l'évêque. Mais moi, je vais les anéantir. Calme-toi. Je vais brûler l'église. Brûler? Je vais brûler la maison. Brûler mon mari. Brûler tout le monde à la fois. Mon Dieu. Et quand j'aurai fini, je vais me suicider. Non, maman, non. Oui. Tu ne vas pas faire une telle chose. Je t'ai dit que je vais le faire. Je comprends que tu es... Mais attends. Ce test ADN que tu as fait, est-il confirmé? Maman, s'il te plaît, je... Réponds-moi. Tu es avec eux maintenant? Non. Tu les soutiens déjà? Non. Je ne peux pas risquer ma réputation. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et c'est correct. Tu l'as fait plusieurs fois. Maman, s'il te... Tu l'as fait plusieurs fois. S'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi te dire. Vous êtes tous pareils. Non. Tu es avec eux maintenant. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Non, ne me dis pas ça. Ne pars même pas là-bas. S'il te plaît. Ne pars même pas là-bas. Maman, s'il te plaît. Parce que je vais tous vous anéantir. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi. Cesse de me dire de me calmer. Ne me dis plus ça. Quand tu me dis de me calmer, ça m'énerve terriblement. Sais-tu que l'évêque continue de nier? L'évêque continue de nier tout ça. Linda n'arrête pas de pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que mon propre fils, me voit comme le diable ici. Je commence à douter de ces résultats. Non, maman. Si c'est pour les résultats, je peux t'assurer. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est correct. Voilà mon problème avec tous ces hommes de Dieu. Ils pêchent et le nient. Et vous maudissent quand vous les accusez. Même quand on les attrape, la main dans le sac, ils continuent de nier. Sais-tu qu'il a insisté que je sorte de la maison? Quoi? On refuse que j'entre dans les bureaux de l'église, moi, Meg, chassée. Non. La conférence que j'organisais, sur laquelle je bossais. Ne le laisse pas t'intimider. Je ne sais pas ce qui se passe. Ne le laisse pas t'intimider. Il y a les réseaux sociaux, il y a les talk shows. Utilise-les. Expose-le. Maman, expose cet homme. L'évêque va mourir. Il va mourir avec tous ces scandales. Il va seulement mourir. Apparemment, tu le considères encore. Qu'est-ce que tu as à perdre? Il t'a tout pris à ce que je sache. Maman, expose cet homme. Expose-le. Non. Non. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. C'est clair. Je vais le faire. Oui. Je vais le faire. Là, tu pars. Je vais exposer l'évêque. Je vais exposer Linda, je vais exposer chacun d'entre eux. Bien. Ne meurs pas dans le silence. Ne sois pas comme la plupart de ces femmes chrétiennes.
qui meurent dans le silence prétendant que leur vie est bien. Alors qu'elles se meurent, expose-le. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus, c'est fait. Personne ne connaît mes problèmes. Bébé, on en est arrivé là? Bien sûr. Personne ne connaît tous mes soucis. Bébé! Non, ne me... touche pas. Qui est ton bébé? Hein? Alors, qui est ton bébé? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça, c'est pas toi. C'est bien bébé. Moi. Ça, c'est bien moi. Toi. C'est bien moi. C'est bien moi. Donne-moi ça. Arrête! Non, touche pas. Bébé, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parler? De quoi veux-tu qu'on parle? Que tout est fini pour moi. Que tu m'as... Fini? C'est de ça dont tu veux qu'on parle. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me... Quoi? Bébé, peux-tu au moins... Écoutez, quoi? Tu as couché avec le père et le fils. Tu as donné un fils au père. Je vais le répéter parce que c'est bien. Tu as couché avec le père et le fils. Et tu as donné au père un fils. T'es trop génial, tu sais. Je ne l'ai jamais. Jamais. Tais-toi, comment ça? Tu l'as jamais fait, jamais, tu l'as jamais fait. Jamais. Tu n'as jamais fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis sûre que je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Ferme, tais-toi. Laisse-moi. Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Hein? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Vas-y, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Dis-moi. Hein? Laisse-moi te dire ceci. Vu que apparemment tu ne sais rien. Ouais, laisse-moi t'expliquer. J'ai toujours su que je suis stérile. Rien de tout cela. Je tire à blanc. Aucune munition. Je l'ai toujours su. Donc, ne crois pas que tu avais une super information en faisant tout ce que tu as fait. Et je te suis sûr que David n'était pas mon fils. Je l'ai toujours su. Tu sais, je vous disais que je serais à l'aise si c'était le fils de Lorenz. J'aurais aimé que ce soit le fils de Lorenz. Mon Dieu! La vérité, c'est que... tu as couché avec mon père! Avec mon père. Ouais, tu as couché avec mon père. Tu lui as donné un fils. Bébé, on peut vraiment, on peut... Parlons de tout ça. Parler de quoi? Parler de quoi, dis-moi? Parlons de tout ça. Parlons de tout ça. Écoute! Et apprends... Mais parlons de tout ça. Bébé, parlons vraiment de tout ça. Ta gueule! Parlez de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? Alors, dis-moi. Mais après... Tais-toi! Parlez de quoi? Tu as donné un fils à mon père. Non! Couché avec son fils. Mais tu sais une chose. Écoute. Tu connais ma mère, Mama Pasto. Actuellement célèbre. Les célèbres sur les réseaux sociaux, les pages partout. Twitter, Facebook, Instagram.
présentement, ma mère est déjà sur TikTok. Tout cela à cause de toi. La pauvre ne parle même pas du royaume de Dieu. Elle parle de la fidélité de mon père. Elle raconte comment mon père baisait la femme de son fils. Je le dirai encore. Elle raconte comment mon père a baisé la femme de son fils. Non. Et qu'elle a donné un fils à son mari. Arrête. Arrête, bébé. Non. Tu vois ça? Est-ce que tu le vois? Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Bébé, est-ce que tu entends? Si jamais tu touches encore ce bébé à nouveau, je vais te verser le contenu de ce bébé et te casser. Ne me tente pas avec mon bébé. Tu as été génial. Tu es trop forte. Ne me touche pas. Tu couches avec le fils. Tu donnes au père un fils. Ah, tu as été génial. Tu as été génial. Et il y a une autre chose. Je vais te dire, Cécile. Une personne de Nollywood, le directeur même de cette entreprise, a dit qu'il s'assurera de financer ce film qui parle de l'histoire de ma mère. Pour mieux dire, celle de ma famille. Donc, tu vois, ma mère est une star maintenant. C'est une star. Je vais appeler une star que toi et moi connaissons. Tout ceci à cause de toi. Ah ouais. Tu baises avec le père, tu baises avec le fils, et tu donnes un fils au père. Allô, la superstar, maman. Tu sais que tu es célèbre maintenant. Tu es actuellement célèbre. Tu le sais? Ouais. Pas mal. Génial. Pourquoi je te parle ainsi? Voyons. Bien sûr, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour dans l'alcool. Ouais. Ah ouais? Tu sais, maman, tu dois élever le niveau maintenant, ok? Je vais te conseiller. Tu dois savoir quoi faire pour garder les projecteurs sur toi. Afin que cette célébrité continue de croître encore et encore. Tu vas donc dire au prochain blogueur qui t'approchera. Ouais, même si on ne t'approche pas. Dis-leur que toi, maman pasteur, mère de Joël, dis-le personnellement que Joël, ton fils, est stérile. Ouais, qu'il tire à blanc. Rien ne sort. Ouais. Alors, tu leur diras que bien sûr, il a toujours su. Ouais. Donc, tu seras toujours célèbre. Ah ouais. T'es génial. Ok? Ouais, maman la superstar. Tu es génial. Ouais.
Mon maire est une superstar. Et toi, tu es son fan. Tu es génial. Trop génial. Baisse avec le père. Baisse avec le fils. Et tu donnes au père un fils. Tu es vraiment trop génial. Évêque, écoutez, nous sommes tous humains. Mais votre scandale est trop grave. Je ne comprends pas, monsieur. Quel scandale? Vous étiez censé nous succéder à la présidence de l'organisation. Mais je crains que nous puissions encore vous donner ce poste. Ah! Mais vous savez que j'ai travaillé très dur pour ça et mes rapports sont propres. Vous n'avez pas été sur les réseaux sociaux et n'avez pas regardé la télé récemment, on dirait. Je vois. Non. J'ai été très occupé avec un problème de famille. Écoutez, monsieur, ce n'est plus juste un appel privé. Mon conseil est que vous avouiez ces yeux de péantre à votre famille et à l'église. Et ainsi, toutes les organisations pentecôtistes et l'église continueront à fonctionner. Oui, mais président, je vous en prie, et... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oh, père, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds-moi quand j'appelle, ô Dieu de justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as donné du réconfort. Aie pitié de moi. Et écoute mes plaintes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, vous mortels? Endurcirez-vous vos cœurs? Jusqu'à quand vous plairez-vous dans la tromperie? Jusqu'à quand? Madame, êtes-vous sûre de vraiment vouloir faire ça? Parce que là, nous sommes sur le point de passer en direct, et ça sera fait. De grâce, arrêtez de poser trop de questions. Commençons déjà, je dois aller dans d'autres chaînes de télé. Ok, eh bien, on peut commencer. Oui, Lawrence, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'ai reçu à vous joindre. Oui, bien sûr, mon téléphone était éteint. J'étais en train de résoudre un problème. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est grave. Les blogueurs de différents réseaux sociaux ont balancé l'histoire. Madame donne actuellement une interview en direct. Certains demandent même votre arrestation. Le conseil a annulé la célébration de votre jubilé. Et se prépare à vous excommunier. Monsieur, écoutez, allumez votre télé maintenant. Allez sur le canapé Avignosa. Ils sont en direct? Quoi? Oh mon Dieu. Seigneur. Et ça, c'est l'inceste. La fornication et l'adultère, tout en un. Comment avez-vous le courage de rendre cela public? J'ai décidé d'aller en public parce que la Bible dit qu'on doit châtier ceux qui pêchent contre Dieu en public. Oui, qu'ils doivent être châtiés. Et l'évêque n'est pas au-dessus des Écritures. De plus, j'aimerais que tout le monde sache le genre de personne qu'il est réellement. J'ai appris que votre famille s'est retournée contre vous quand vous les avez confrontés. Oui, ils l'ont tous fait, à l'exception de mon fils Joël. Il est si confus et si blessé. Madame, c'est la toute première fois en 50 ans de ministère que le nom de votre famille est mêlé à un scandale. Avez-vous des indices, mec, des preuves pour valider ces indices? Malheureusement... Qu'est-ce que tu as fait?
J'ai les résultats du test ADN avec moi qui prouve que l'évêque Davidson Etoun est le père de David Etoun. Ce qui veut dire que l'évêque Davidson Etoun a couché avec notre belle-fille Linda Etoun. Voici les résultats du test ADN. Waouh. Écoutez, là, c'est très grave et dangereux comme allégation. Oui. Mais nous revenons dans un instant pour cette petite pause. Pour vous révéler les résultats du test ADN. Restez scotchés. Bébé. Joël. Ça, c'est mon nom. Joël. Oui, Joël. Ça, c'est mon nom. Parce que ce stupide truc qui commence par la lettre P actuellement ne m'identifie pas à ça. Alors, que peut faire Joël pour toi? Bébé, est-ce que... Joël! J-O-E-L! Joël! Ça, c'est mon nom! Que puis-je faire pour toi? Joël! D'accord. Est-ce qu'on peut partir à l'hôpital? Joël, peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Nous devons aller rendre visite à ton père. Mon père? Oui. Ouais. Le père de ton enfant, hein? Eh bien, ma réponse, c'est non. Joël préfère... aller en boîte, flirter, faire des parties batifolées avec les gens qui ont ma même santé mentale à cœur. Ouais. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Arrangeons les choses, je veux dire. David, regarde David. Il vit chez mon ami depuis longtemps maintenant. Il doit rentrer à la maison. Attends. Qui est David? David est notre fils. David, ton fils. Ton fils. Ouais. David, ton fils. Ah, ok. Je ferais mieux de dire mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? S'il te plaît, peux-tu m'écouter? Peux-tu me laisser t'expliquer? M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Tais-toi! Ne m'énerve pas! Joël! Moi te parler! Tu veux parler? De quoi? Tu veux la fermer? Ferme-la! Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Bébé! Joël! J'ai... Elle, Joël. Bébé, je t'en... Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Comment tu as réussi à aller dans le lit du père et du fils? Comment tu as donné à l'un
Un fils. Tu lui as donné un fils. Et celui que tu as épousé lui a donné un petit frère. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ou juste... Parlez-moi, quoi? Que veux-tu m'expliquer? Allez, vas-y, parle! Que diable veux-tu? Dégage! Dégage! Va donc! Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Vas-y, dégage! N'importe quoi, bébé. Dégage! Infirmière, bonjour. Bonjour, Madame Linda. Je suis vraiment désolée du retard. Tu t'es toujours bien occupée de lui? Oui, je l'ai fait. C'est mon travail, madame. Juste que vous avez insisté pour le faire. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a des progrès? Pas du tout. Il ne peut ni parler, ni bouger, néanmoins, pour nous entendre. C'est tout. Ah, ça va aller. Je vais continuer de prier pour lui. Je vais continuer de lui lire la Bible. Il va guérir. C'est gentil de votre part. Vous êtes une très bonne femme, madame. C'est simplement que toute sa famille l'a abandonné. Oui, ils disent qu'il paye pour ses péchés. Ne le dis plus. Désolée, madame. Tu sais qu'il peut t'entendre. Vraiment désolée. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Ça va aller. Mon évêque, mon père, mon patron, mon mentor, mon ami, j'ai essayé de leur expliquer. Mais personne ne m'écoute. Même mon mari Joël ne veut pas m'écouter. Je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te dire la vérité. La vérité est que... David n'est pas le fils biologique de Joël. Je suis tombée sur des documents. Des documents médicaux appartenant à Joël. Et j'ai découvert que mon mari est stérile. De l'amour que j'éprouve pour lui.
Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu qu'ils soient embarrassés. Alors je suis allée dans une banque de sperme à l'étranger. Et grâce au FIV et un donneur anonyme de sperme, j'ai eu notre fils David. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que j'aime cette famille. Cette famille est la seule que je connaisse. Je ne voulais pas perdre ma place dans cette famille. Mon évêque, je suis navrée pour toutes les douleurs que mon acte a causées. Je sais que tu es un homme vraiment bon. Je sais également que Dieu qui est au ciel, il va te guérir. Il ne peut pas t'abandonner. Le diable ne peut pas gagner. Tu es plus que vainqueur. Mon évêque, je t'aime. Et je resterai à tes côtés, quel que soit ce que les gens pourront dire sur toi. Tu seras toujours mon évêque, Davidson et Toon. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça va aller, papa. Salut tout le monde. Infirmière, que se passe-t-il? Sérieux, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que le message que tu envoyais était pour ma mère et moi. Vous lui avez aussi envoyé? Est-ce qu'on peut en finir avec ça? C'était quoi l'urgence? Je dois aller quelque part. Pourquoi nous avoir appelés ici? S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation. Merci, le bishop ici présent se porte déjà bien mieux. Gloire à toi, et il a retrouvé la motricité de sa main droite. Et avec mon aide, il a pu écrire un message pour vous tous. Quelle lettre a-t-il écrit? Évêque, Davidson, qu'as-tu écrit? As-tu réécrit ton testament? As-tu réécrit ton testament pour léguer des biens à ma co-épouse? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Il a demandé que je la lise devant tout le monde. C'est pour cela que je vous ai tous convoqués. S'il vous plaît. J'ai vu avec beaucoup de déception et aussi avec honte la façon dont toute ma famille, à l'exception de Linda bien sûr, m'a carrément jeté au loup sur des allégations non fondées.
il y a des années, avant que je ne donne ma vie à Christ, au Royaume-Uni. J'ai volontairement fait une donation à la clinique Faith de Londres. Des années plus tard, je suis allée dans la même clinique avec Linda lors d'un de nos voyages missionnaires. Cependant, sans que je ne le sache, la pauvre Linda y est retournée et a demandé à être inséminée artificiellement par un donneur anonyme. Et par pur hasard, mes spermatozoïdes ont été utilisés à cet effet. Quoi? Linda, tu l'as fait? Mon Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi n'as-tu pas parlé? J'ai essayé de vous expliquer. À plusieurs reprises, j'ai essayé de vous en parler. Vous n'avez pas cessé de me repousser. J'essaie encore de digérer tout ce que je viens d'entendre. Et laissez-moi deviner. Elle a décidé d'utiliser un donneur de sperme. Pour éviter la honte à son mari. Que se passe-t-il ici? Hein? Vous me prenez pour une gamine ou quoi? C'est quoi toute cette histoire? Ah, prouvez-la. Parce qu'elle est un peu trop bien ficelée. Il n'y a aucun enfant ici. Il n'y a pas d'enfant ici. J'ai encore les reçus et les correspondances avec l'hôpital. Je les ai dans ma boîte email. Je suis sûre que nous pouvons les vérifier. Oh mon Dieu! Le sperme donné anonymement a un numéro de série, mais pas un nom. C'est une rare coïncidence, mais c'est très possible. Ah, donc, Faith, toi et maman avaient décidé de détruire la réputation de papa sur des allégations non fondées et celle de ma femme aussi. Évêque, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Attendez, évêque. Je... Non, ne faites pas d'efforts. Laissez-le. Maman, je suis vraiment désolée. Éloigne-toi de moi. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as conseillé de me rebeller contre mon mari. D'exposer mon mari sur les réseaux sociaux. Tu as appelé les chaînes de télé, les chaînes de radio. Tu es même allée jusqu'à appeler les blogueurs. Ah, Meg, qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Hey, Meg! Meg! Ah, Seigneur. Chaque jour, tous les jours, qu'est-ce que tu as fait? Des hommes de Dieu. Des personnes connues. Des personnes inconnues. Sont humiliés dans les réseaux sociaux. Ils sont humiliés chaque jour sans qu'on ne les connaisse personnellement. On ne connaît même pas ces gens. On s'en fiche pas mal de leur santé mentale, physique et émotionnel. Personne ne s'en soucie. Plus vous êtes grand, plus vous êtes une grosse cible. Et le pire, c'est lorsque un de vos proches, Meg, répand ses allégations. Qu'est-ce que tu as fait, Meg? Bravo à toi, maman. Non, Meg. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait, Meg? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis vraiment désolée, maman. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je suis désolée.
Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Pardonnez-moi, je vous en prie, désolée. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Je l'ai livré moi-même. Je l'ai livré moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai livré moi-même. Je l'ai livré moi-même. Je m'en vais. Je ne peux plus. Je ne peux plus rester ici. À cause de tous les problèmes que j'ai causés. Ta mère avait raison. Je suis maudite. Te regarder en face. Je ne peux pas rester devant ton père. Le meilleur que je puisse faire, c'est de prendre mon fils et partir. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû prendre cette décision toute seule. J'étais censée me soumettre à mon mari, mais je ne l'ai pas fait. Même la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme à Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi toute seule en prenant. J'ai pris cette décision personnellement. Je ne t'ai même pas consultée. En tant que mon mari, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas demandé. J'ai eu peur. Je ne peux pas te demander pardon. Ce serait vraiment trop te demander. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon à Dieu. Parce que ce que j'ai fait, vraiment, c'est si grave. J'ai honte. J'ai tellement honte que je ne peux même pas te regarder en face. Je ne peux pas marcher tête haute. Quelle est la différence? Dis-moi, quelle est la différence entre moi et une femme qui trompe son mari, puis ramène une grossesse à la maison? Je suis... Je veux que tu saches une chose. Je voudrais que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous deux. Je l'ai fait parce que je voulais que notre mariage reste fort. Je l'ai fait pour nous deux. Et je voudrais que tu saches également que tout au fond de mon cœur, je te souhaite le meilleur. Mon seul et unique amour. Que fais-tu ici? Je suis venue pour souhaiter mes plus sincères condoléances. Tes sincères condoléances, tu dis? Après tout ce que tu as fait? Tu as détruit ma famille. Je suis tellement désolée. Tu as causé un infarctus à mon père. Tu as tué ma mère. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu ne voulais pas que cela arrive. Pourquoi tu ne lui dis pas? Vas-y, dis-le. Maintenant, écoute. On n'a pas besoin de toi ici. Prends tes condoléances pour une autre famille que tu détruiras à nouveau. Cette famille ne veut plus jamais te revoir et même te connaître. Mon père ne veut même pas entendre ton nom. Va-t'en. S'il te plaît, écoute. Va-t'en.
David, mon fils. Oui, maman. Maintenant que tu as fini avec ta licence, je voudrais que tu partes au Royaume-Uni pour ton master. Au Royaume-Uni? Oui. Non, je préfère les États-Unis. Ah, s'il te plaît, je savais que tu allais le dire. Je voudrais que tu ailles au Royaume-Uni parce que c'est un très bon pays et ce sera plus facile pour moi de venir te rendre visite. En plus, ma meilleure amie Grace est au Royaume-Uni. Elle pourra jeter un coup d'œil sur toi et tu pourras bien rester dans la maison familiale. Non, maman. Ne conteste même pas. Ne conteste pas ça. Ouais, je sais que la maison de New York te manque. Ouais, je le sais. Exactement. Et ainsi que tes amis de New York. Mais tu ne resteras pas dans cette maison attachée à ta mère. Non, tu feras ton master au Royaume-Uni. On ne veut pas de distraction. Oui, chef. Ça, c'est mon fils, ça, c'est mon fils. Voyons, papa, tu peux laisser ma mère pour une seconde? Peux-tu ne pas te mêler de mes affaires avec ta mère pour une seconde, toi aussi? Sérieux, papa, vous deux êtes littéralement... Je me demande, as-tu quelque chose en propre? Vous faites toutes vos choses ensemble. Je veux dire, vos sociétés, vos biens immobiliers, vos voitures, vos comptes bancaires. Tu as tout compris, mon fils. C'est ça, la famille. Exact. C'est de la même façon que ton grand-père et ta grand-mère partageaient tout ensemble. Toutes choses. C'est de la même manière que ton père et moi partageons tout toutes ensemble. Choses. Notre amour, nos comptes, nos cœurs, ouais. Toutes choses. Wow. Et le moment venu, très bientôt, tu auras ton épouse. Ouais. Quoi? Je voudrais que tu choisisses une femme qui craint Dieu, avec qui tu pourras tout partager. Bien sûr. Maman, on parlait juste de mes études tout de suite. Et toi, tu parles déjà de mariage. Tu épouseras une bonne femme. Ouais, tu dois épouser une bonne femme. Oui, tu dois épouser une bonne femme. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.